Tiens, grand bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui sont branchés cette émission. Ici, nous avons Sandito qui présente ce show. Et nous présentons Empêchement Mayas, le candidat à la présidence, sur la blême. Chat, votre chat là, allez ni tout. Première question, que pensez-vous de l'agent de la Petro-Caribé? L'agent Petro-Caribé, hein? Je suis journaliste. Ouais, moi-même, même visant beaucoup rien. Ça veut dire que des questions posées, là, il y a un choix à mettre. Ça veut dire, ça dit, non, là, si on ne peut pas qu'on dit, moi-même, pour ne pas dire, il y a un béton caribé, ou bien je ne fais pas président, posez-moi d'autres questions. Bref. Je vais me têter nous-mêmes, je ne vais pas me contourner ma mère. Et concernant l'énergie, autrement dit l'électricité, qu'est-ce que vous allez au compter faire dès que vous arrivez au pouvoir? Bon, tant que j'arrive au pouvoir, concernant l'énergie, hein, nous ne pouvons pas avoir en pile. Parce que l'électricité est pour EDH là, nous allons renforcer EDH là, mettre des systèmes pour que EDH soit capable de tout pour l'énergie. Parce que pour EDH dans tout le pays bien fonctionner. EDH New York là bien fonctionner. EDH Canada bien fonctionner. EDH Vintok là bien fonctionner. EDH Patron qui va fonctionner. Et c'est ça que nous allons servir avec de l'eau. Parce que de l'eau est courant. Nous allons servir avec Fatra tout, vous comprenez? Pour nous faire un système de. Et courant. Est-ce que vous comprenez? Quand nous parlons de courant, même des chaises courantes, nous parlons de faire des bons vagabonds pour voir les choses qui me parlent de la gagne. Avec mes chaises courantes, là, c'est chauffeur pour la pointe, par exemple. Avec des aides à chaque fois. Que pensez-vous de la politique agraire? Bon, je ne peux pas revenir dans ça, parce que je ne peux pas information des choses déjà même. Même si je suis sur la page BDV, je ne peux pas revenir là-dedans. Et agraire ou agraire. Ici, aux États-Unis, il y a 52 États, et seulement du candidat à la présidence, vous voyez, et. Pour nous-mêmes en Haïti, nous avons tous ces candidats à la présidence pour diriger un seul petit pays, Haïti. Comment expliquez-vous cela et tout le monde, monsieur le président? Bon, ça fait aux États-Unis, il y a 54 États et puis il y a des présidents. C'est parce qu'aux États-Unis, la fin de présidence, c'est comme si son job serviteur qu'il y a. Vous comprenez? Ça veut dire aux États-Unis, c'est pas la misère, c'est malgré le grand coup qui peut être fait mon président. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ce sont des gens qui parlent des pays. Et les APD, l'autre monde, même si on pas président, il y a mais ni contre avec Haïti. Ça fait nous tous, monsieur le président, c'est parce que là, l'autre a fait le président, moi-même, pas besoin, l'autre n'a pas besoin, qu'on a nous tous, nous sommes pour que nous capables de remplir le poste là. Si vous faites président, vous-même, vous avez fait le journaliste, on va pas à l'aise. Mais si vous ne suis pas président, tout le monde là pour manger, faire jusqu'à ce que vous mouriez. Et peut-être ça, nous tous, monsieur le président. Mais pour qui ça, nous les candidats en Haïti surtout, nous ne pouvons pas penser pour que nous sommes capables d'unir tête nous ensemble, pour que pas tous les candidats à la présidence, hein, et à la présidence surtout, parce que nous avons élection toujours passée dans ma couille. Alors, qui ça, vous parlez de ça? Bon, il n'y a pas de problème, ni nous gagnons. Ça fait nous donner pour le président, et si l'autre a tabou, t'as pensé avec nous? Là, notre tabou, c'est lui, mais maman, de la famille. Vous comprenez? Quand il y a là, nous tous obligés à chercher à faire mal. C'est pas monsieur Rizzo qui fait nous tout le président, non? C'est pas parce que nous sommes capables, non? Mais c'est parce que les gens qui sont bons, ils sont pour madame, ils sont pour la colonne, ils sont pour la race, ils sont pour la couleur. Et puis, pour s'il y a des gens qui passent la misère, quand il y a chaque monde qui bataille, puis il y a le président, moi-même, quand nous votons chat là, chat à fin bon, mon pouvoir sera partagé partout et ailleurs, à tous les blancs, les noirs, les marrons, les mulats, etc. Et là. Mais d'après ce que je constate, monsieur le président, je vois que vous êtes un homme assez riche en esprit. Ah non, si c'est pour esprit, hein, nous disons ça. Nous riches dans l'esprit. Mais quand t'as pour physiquement, pas qu'on conclut. Si je suis tombé à la barre, je pas qu'on des affaires, l'homme puis le président vient m'a changé. L'esprit est riche, mais lâché au clou. Oui, merci. Mais pensez-vous que vous allez réussir les élections? Ah oui, dorénavant. Déjà, moi-même, Chatla déjà président. Vu Chatla. C'est quand? Natural. Et ailleurs. Est-ce qu'on parle de monde spécial pour t'en remettre saluer? Oui, nous n'avons pas quelqu'un pour t'en remettre saluer. Nous avons salué tout Gonavien, tout Gonavienne, tout Cap-Haïtien, Cap-Haïtienne. Nous avons tout Delmasien, Delmasienne, Pétionvillien, Pétionvillienne, Péguivillien, Péguivillienne. J'ai fini, il faut nous faire toucher dans 11e. Nous avons tout Miami, Miami. Nous avons tout Orlando, Hollanda. Et puis nous avons tout Bouclier, Bouclier.